peux me dire ce qu'est la tectonique des plaques? Surtout, ne répondez pas tous à la fois. Alors moi, hein? Et moi, madame? Moi, je sais, madame. Je la joue au bluff. Elle n'interroge jamais ceux qui lèvent le doigt. Horace? Oh oui, j'oubliais. Notre cher petit Horace a, me semble-t-il, attrapé la rubéole. Alors... Pete, la tectonique des plaques. Je sais pas, moi, madame. Cela ne m'étonne vraiment pas, Pete. Mon petit Big Bang, explique donc à tes camarades ce qu'est la tectonique des plaques. C'est élémentaire, voyons. La croûte terrestre, dont l'épaisseur, je le rappelle, varie de 4 à 40 kilomètres, est divisée en plaques qui subissent les mouvements du magma de l'atmosphère quand ces plaques glissent l'une sur l'autre, ce qui, elle, enfin provoque des tremblements de terre. C'est très bien, Big Bang. Merci beaucoup. Bien, les enfants, maintenant, prenez vos livres, page 32. Hé, toi, faut que je te voie à la sortie, pigé. Qu'est-ce que t'as? On dirait que t'as vu un fantôme. Kid, je suis un homme mort. Non manquant. Pitbull! Il me cherche, il me traque, il veut ma peau. Il va me faire une tête encore plus carrée que celle d'une grande racine. Je veux pas te faire peur, mais je crois qu'il t'a déjà trouvé. La loi du 36 novembre 18 1856, addenda 5 bis, sanctionne une agression avec coups et blessures par une amende de 99 milliards d'euros explosant. Mon Game Pocket marche plus, alors tu vas être bien gentil, tu vas me le réparer pour demain 10h à la récré. Et je veux qu'il soit comme neuf, sinon... Ben sinon quoi? Je suis un homme mort. Essaie de la réparer avant ton enterrement. Mais c'est une vraie poubelle, ce truc. Cet australopithèque est indigne de manipuler un tel joyau de haute technologie. Tiens, essaye-le. Waouh! C'est Boxing Inferno. Tiens, prends ça, Giant Brutos. Allez, je t'invite à City Game pour fêter ça. Oh non, j'y crois pas. Le seul jeu de libre, c'est la ferme de Rikiki le canard. C'est vraiment grotesque. Je préfère encore jouer à Boxing Inferno sur le Game Pocket de Pitbull. Pas de problème, surveille juste les alentours. La fiche USB sur le connecto-convertisseur bipolaire. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Cool! Allez, à nous deux, Giant Brutos. Hé, y a un bug. Aurais-je commis une erreur de connexion? J'aurais jamais pensé que les jeux étaient en réseau. Allez, gentil, le vulgus canidae, bâtardise. Bouge là, radar, tu vas nous faire repérer. Hé, hey, Giant Brutos dans ce bord d'extrême. Mais que faire avec ces canons dans mon fils à motorie? Monsieur Mirador, j'ai un vol de caneton dans X-33 Fighter Simulator. Couché. Et je vous confisque ceci. Allez, nous, tu vas.
T'oublies pas, Big, hein? Demain à la récré. Je suis un homme mort. Ouais, un mort toujours vivant. Écoute-moi, le zombie, allons voir Mirador chez lui. Je sais où il habite et puis après, tu sais. Il a oublié de fermer sa porte. Y a quelqu'un? Monsieur Mirador! Monsieur Mirador! Allez, viens. Il n'y a personne. Waouh! Un ping-pong électronique, le premier de tous les jeux électroniques. Regarde un peu ça, c'est l'ancêtre mythique. Mon père m'en a déjà parlé une fois, mais je n'en avais jamais vu. Tu pourrais pas plutôt m'aider à trouver ce maudit Game Pocket? Bon, pour un jeu simple, c'est un jeu simple. Mais où peut-il bien l'avoir mis? Arrête ça, radar! Je te parie que j'explose le record de Mirador. 1000 neutrinos, enfin je l'ai trouvé! J'ai un problème. Bingo! Tranquille, radar. Hein? Oh! Eh oh, vous là-haut! Je suis un homme mort. Je crois que c'est plutôt le Game Pocket qui est mort maintenant. Tiens donc. Alors, pour ouvrir le dossier flagrant délit, c'est F6, Altmage et puis... ça doit être F7, contrôle échappe. Ils vont nous envoyer en prison. Enchaîner à des tueurs psychopathes, multirécidivistes, des tueurs en série. Alors, tu portes plainte ou pas? Penses-tu, Raoul, c'est pas des cambrioleurs, ça? Ils voulaient juste récupérer le Game Pocket que je leur avais confisqué. Ok, alors c'est pas la peine que je téléphone aux parents. Je les sermonne un peu et puis je les renvoie chez eux. Je n'avais qu'à ne pas oublier de fermer ma porte, quoi. Allez, salut Raoul, à samedi. Ah, j'ai trouvé, voilà. Alors, pour ouvrir le fichier maintenant, non, c'est pas ça. Alors, je vais peut-être... Kid. C'est vrai, on peut rentrer chez bon, nous. Bon, alors, pour fermer un fichier, essayons F9, mage al, contrôler. Fichez-moi le temps avant que l'inspecteur ne change d'avis. Je suis peut-être libre, mais toujours un homme mort. Alors, ce Game Pocket? Je tiens à te dire quelque chose. Tu tiens à me dire quoi? Que l'azimuteur bifluoré de la connexion intercostale a ripé, ce qui a provoqué une surchauffe totale des circuits couplés. Ce qui veut dire en clair que ton Game Pocket, eh ben, il est complètement HS. Hein, Big Bang? Oui, c'est cela, oui. Hein? Mais alors, pourquoi le capot, il est tout pété, là? Oh, ça, mais c'est rien du tout. C'est juste pour accéder à la carte électronumérique. Big a dû... J'avais pourtant dit de le ramener réparé, non? Sinon... Sinon... Sinon, tu dois lui en fabriquer une toute neuve. Pas vrai, Big? Ah, affirmatif. Une plus jolie et plus puissante.
Ce sera juste un petit peu plus long que prévu, c'est tout, pas vrai, Big? Oui, bien sûr, le temps de faire venir les pièces de rechange de la Corée ex-équatoriale. 3 semaines maximum, c'est la saison des pluies là-bas. Ah oui, l'eau et l'électronique ne font pas vraiment bon ménage. En plus, j'ai oublié qu'il fallait compter le temps de séchage des soudures. Très important, le temps de séchage des soudures. Combien, Big? 3 jours? 4 jours? La voilà. Elle est un peu plus grosse, mais tu peux la brancher. Game over.